Merci beaucoup. Voilà, je ne peux pas vous dire merci. On va penser à vous, votre contribution par rapport à la X-File, votre contribution parce que cette voiture ne suffit pas pour pouvoir nous aider vraiment, franchement. Et quand une voiture est touchée comme ça, et nous, ça joue un peu sur nous. Le seul moyen que nous avons là, c'est de la solution de la vie. Amen. Voilà, merci. Merci au frère, je suis obligé de répondre là-dessus parce que c'est le temps. C'est vrai que le frère qui est venu m'a fait une bonne personnellement. Il a même temps décidé aussi d'apporter une contribution au ministère, c'est-à-dire d'aider les gens qui sont là. Il n'y a pas de moyens. Est-ce qu'on peut avoir les dons de vous? Je tiens de pouvoir juste connaître un peu. Aider aussi ceux qui sont encore là ou dans le centre, tout ça. Voilà, donc merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Souvent, nous sommes confrontés aux charges. Nous sommes confrontés aux charges souvent. Il y a des personnes qui touchent le cœur. Si mon cœur est touché, le cœur de Dieu est touché. Amen. C'est pas un peu de deal. Vous savez, c'est parce que moi, je ne suis pas trop appelé à parler trop de ça. Mais Dieu, là, pour bénir une personne, il prend toujours quelque chose de cette personne. C'est cela qui a de bénir Abraham. Il dit, donne-moi ton fils que tu aimes. Donne-moi ton fils. C'est quand Abraham a fait le sacrifice d'Isaac que Dieu dit, je jure par moi-même de te bénir. Amen. Donc les dons touchent le cœur de Dieu. C'est cela que quand Élie est rentré dans la maison de cette femme, amen. La veuve s'arrêta. Il rentre dans pendant une période de sécheresse. La famille, à cette époque, il dit à cette femme, donne-moi à manger. C'est quand cette femme a donné à manger Élie qu'elle a été bénie. Or, Élie veut dire Dieu en araméen. Élie, ça veut dire Dieu en araméen.
Amen. Donc il y a des dons. Pour que tu, c'est dans la tradition judaïque. Pour bénir même un fils, on prend toujours un présent du fils. C'est pour ça que Jacob, plutôt Isaac, a demandé qu'on le fasse à manger parce qu'il avait envie de bénir. Amen. C'est quand, c'est pour ça que quand l'autre, le premier a béni, le premier qui est venu, il a été béni. Il était convaincu que ce n'est pas Esaü, mais que c'était Jacob. Mais comme le monsieur envoyait le présent, il a été béni, il a reçu la bénédiction de son frère, de son père. Donc le présent, la Bible gagne le cœur du roi. Le présent gagne le cœur du roi dans le proverbe. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre que quand les gens pensent qu'il faut soutenir l'œuvre de Dieu, la gloire à Dieu. Salut, le geste que tu as fait là, ça décante même ta situation. Oui! Il y a des gestes qui décantent, on n'a pas besoin des trucs, ça décante la situation. Ça décante la situation. Le fait même de penser, faire une offrande à Dieu, ça décante la situation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui-même, là, pour sauver l'homme, il a donné. Il y a trop de symboles dans le donner. C'est parce que les gens ne savent pas. C'est pour ça que moi, j'aime bien donner. Parce qu'il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. On a le bonheur qu'on donne, c'est pas qu'on reçoit. Voilà. C'est quand on donne qu'on est béni, pas qu'on reçoit. Alléluia. Pour ça que quand quelqu'un soutient l'œuvre de Dieu avec son argent, Dieu protège l'argent. Dîme, la dîme, c'est comme l'impôt. Qui ne protège pas ton argent parce que tu paies la dîme? C'est pas une question de polémique. Est-ce qu'on veut pas payer la dîme? On ne doit pas payer la dîme. Moi, je paie ma dîme. Moi, je crois qu'on doit payer la dîme. Celui qui ne croit pas ça, c'est son problème. Est-ce qu'on est thème, théologie, doctrine? Ça, je ne viens pas sur ce côté-là. Mais moi, je crois à la dîme. Voilà, je crois à la dîme de tout ça. On va payer, on ne va pas payer. Chez nous, ici au Pentecôte, nous sommes une église pentecôtiste. Nous croyons qu'il faut payer la dîme. Mais on ne fait pas de ça, on ne met pas trop l'accent là-dessus. C'est comme l'impôt sur un salaire. L'impôt, tu as ton salaire, l'État prélève l'impôt. Non? C'est comme ça. Vous avez vu? On enlève. Même tes transferts, tu es en train de faire là. Il y a 100 francs pour l'État. Tu te demandes, ça va où? Ça, ce n'est pas ton problème. Quand tu vas faire les Orange Money, on demande 100 francs. 100 francs là, ça va où? C'est comme ça. C'est-à-dire, ton argent, il y a toujours ce qu'on appelle la prison. Pour dire, il faut, j'ai l'impôt. Et la dîme, c'est l'impôt sur le salaire qu'on donne. Or, pour que Dieu bénisse quelqu'un financièrement, c'est cette personne qui passe à son œuvre. Ah, il a quel intérêt à te bénir? Et tu prends de l'argent, tu vas boire bien, ben. Ton argent là, ne contribue pas à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il va faire quoi ça? Quand le sorcier vient manger, il dit mange, détruit son argent. Et c'est les petites filles là qui mangent l'argent. Il a 3 bureaux, 4 bureaux, 5 bureaux. Il boit 20. Ton argent s'égate. Or, si tu commences à t'investir dans l'œuvre de Dieu, vous dites, il faudrait que je soutienne l'œuvre de Dieu. Le fait même d'être peut-être à Paris, tu es assis là-bas, et que tu envoies l'argent pour l'évangélisation, c'est comme si c'était toi-même qui étais sur le terrain. Tu contribuais à l'avancement du royaume. Est-ce qu'il t'a envie de dire aux gens? Il y a des gens qui sont là, qui militent dans un parti, qui s'investissent corps et âme. Quelque chose qui va périr demain. Qui donnent de leur argent pour faire avancer le parti. Là, vous avez quelque chose d'impérissable, que le royaume de Dieu, auquel vous devez vous investir. Parce que demain, la récompense sera grande dans le ciel. Parce que nos œuvres nous suivront. Tu as fait quoi pour que ça te suive? C'est ce que vous ne savez pas. Si vous ne faites rien ici, ça ne pourra pas vous suivre dans le ciel. Vous avez quel parti? C'est l'œuvre de Dieu. Le parti que vous avez là, c'est Jésus. Ou bien? Amen. Amen. Vous voyez, Dieu a fait de Dieu la gratuité. C'est-à-dire, on doit être là, le prophète va gêner, tout le monde doit gêner. Si on gêne, on ne va pas mourir. Jésus même a fait 40, il a eu faim. On dit qu'il a fait quand la faim est venue. Il n'a pas mangé. Il a mangé. Amen. Amen. Donc, vous voyez, vous pensez que nous sommes des moines. Non, non, on ne doit pas gêner, on ne doit pas faire ça. Non. Même si on gêne, on doit manger. Pour avoir assez de force pour pouvoir avancer l'œuvre de Dieu. Donc, quand les gens pensent comme ça, l'œuvre de Dieu, gloire à Dieu. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. J'étais là comme envoyer le message, puis tu me l'as fait un don. C'est vrai, mais moi, j'ai oublié que ça soit peut-être dans ma présence. Donc, on aura l'occasion nous-mêmes de partager à certaines personnes. Autrement dit, ça va rester parce qu'on doit donner à manger. Voilà, c'est comme ça qu'on va essayer de faire. Parce que les gens sont sous nos chats, c'est nous qui les nourrissons ici. Nous les prenons les chats, les parents les ont abandonnés ici et tout ça. Que Dieu te bénisse. Vous devez soutenir l'œuvre de Dieu.
âme, vous devez soutenir le Dieu. Ton parti, là, tu n'as plus de parti, parti, c'est Dieu. C'est dans Dieu là, que tu dois t'investir. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui aimera son père, sa mère, tout ça plus que moi, n'est pas digne d'être mon disciple. Si on aime le de Dieu, mais qu'est-ce qu'il le prouve? On ne le démontre pas. Or, l'amour sans les œuvres. Quoi? Oui, il faut manifester l'amour. Il faut nous prouver, il faut prouver à Dieu que tu aimes son œuvre. Il faut lui démontrer à plus que tu aimes l'œuvre de Dieu. En t'investissant corps et âme, pour faire avancer le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons un parti dans lequel nous tous nous militons, c'est Jésus, le parti de Jésus. Oh, il y a des gens qui sont prêts à se donner corps et âme pour aller mourir pour un être humain, pour aller mourir pour un parti politique. Les choses périssables. Oh, avec Dieu, on gagne toujours. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça que vous devez investir corps et âme. Ah non, proverbe, mon argent reste pas. Mais tu fais quoi? C'est pas moi. C'est Dieu qui bénit. On dit sa bénédiction ne fait souffrir d'aucun chagrin. C'est l'Éternel qui bénit. Et sa bénédiction ne fait souffrir d'aucun chagrin. Moi, depuis que j'ai compris, je soutiens des gens, même dans le cirque, je ne suis pas venu parler. Mais il y a des gens que je soutiens financièrement chaque mois, que je donne à manger, je dors, je soutiens, et Dieu me bénit. C'est le secret. Oh, quand vous avez la main fermée, il y a des gens qui sont la main fermée comme des sorciers. Avare. Un monsieur est mort à Grand Lao, ils l'ont trouvé 5 millions dans sa chambre. Ils l'ont enterré le même jour. Il partait se soigner les parastamons, il a les chambres de cacahuètes. Le cocotéret, tout ça. Va te soigner, il n'a pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Il est mort, on soulève Bayas. Vous connaissez Bayas? Vous connaissez Bayas? C'est-à-dire, on fait comme un M dedans. Ah, tu dis, ah, on appelle ça Bayas. C'est pas ma clair. Hein? C'est Bayas. Quand on soulève Bayas, 5 millions. Il m'a tiré vite. Les gens sont servis, ils ont mangé l'argent. L'argent, tu vois là, ça arrive, je vous laisse. Amen. Il faut mettre ça dans la banque de Dieu. Alléluia. Tu meurs, tu retournes ça là-bas. Amen. Vous devez vous investir dans l'œuvre de Dieu. Il faudrait que ton argent contribue un jour à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Puis à partir de ton argent, qu'on commence à évangéliser. Amen. Et ça, c'est important. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je tenais aussi à dire merci à Désiré. Oui, quand elle a appris qu'on avait un problème de Israël. Cette soeur est venue dans mon bureau et m'a donné 500 000 tiens. Merci beaucoup, président. Hier, la petite hier, j'ai réalisé 500 000. Parce que le moteur fait 2 millions. Il y a des enveloppes, il y a 500 francs dedans. Il dit, ah oui, ça va arriver haut. Amen. Voilà, donc merci beaucoup Désiré, et ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a réconcilié encore de comprendre qu'il y a des gens qui pensent à nous, qui pensent qu'il faut que l'œuvre de Dieu avance, parce que ce travail, nous avons beaucoup d'ennemis, vous savez que le diable est le poids de ce monde, il y a des gens que le diable utilise puissamment pour nous décourager, pour ne pas que nous avançons, il y a toujours les bâtons dans les roues que l'ennemi nous met, le diable ne veut pas qu'ici il existe, c'est le combat qui nous met chaque jour. Ça nous fait, il y a des choses qu'on ne va pas vous dire. Même par les textos, même sur le Facebook, même c'est par le mail. Il y a des injures, il y a des menaces qu'on nous fait souvent. Parce que le diable, il ne veut pas l'existence de ce ministère. Il ne veut pas. Parce qu'il est dérangé. Et quand je vois, c'est dit oui, parce qu'on te dérange, Satan. C'est normal qu'il nous attaque. Donc on comprend qu'il y a des gens qui sont autour de nous, qui nous amènent à oublier quelquefois des soucis. Nous disons gloire à Dieu. Amen. Amen. Votre argent, il faudrait donner pour faire avancer le Dieu. Amen. Amen. Nous avons décidé d'aller à l'intérieur. Sinon, Abidjan peut être Abidjan comme les autres, mais chacun son ministère. Notre ministère, il est peut-être unique au monde. Il est unique au monde. Pour notre spécialité, c'est la sorcellerie. La destruction de la sorcellerie. Je ne me suis pas levé un matin comme ça. S'il y a l'onction, il faut des gens pour accompagner l'onction. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Qu'il y a quelqu'un soit béni. Amen. Quand vous parlez d'argent, ça vous attriste. Les gens n'aiment pas ce qu'on arrive sur ce terrain. Amen. Amen. C'est une vérité, c'est vous qui devez faire avancer le Dieu. Moi, je ne peux pas laisser un message. Je ne prêche pas les messages chaque jour, non. Mais pour dire que c'est important. Amen. Amen. C'est important. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu bénisse et qu'il nous fortifie
Je confirme encore, je vais travailler cette vidéo, confirmer notre arrivée à Rabat. À Rabat, c'est à partir du mardi. Mardi jusqu'au dimanche. C'est ça? Mardi, c'est ça? Jusqu'au dimanche. Voilà, on aura l'occasion de prier, faire des délivrances, tout ça. Et cette fête sera très bien organisée par la grâce de Dieu. On aura l'occasion de prier pour vous, de vous consacrer, de vous orienter prophétiquement parlant, pour que vous puissiez venir investir en Afrique. Et ça, c'est important pour nous. C'est important pour nous. Alléluia. Vous arrivez à revenir en Afrique, à vous investir en Afrique. Nous sommes en train de créer ici une structure qui sera chargée d'être en collaboration avec ceux de la diaspora qui aimeraient s'investir ici en Afrique, ou encore du voir, qui chercheraient à avoir quelqu'un de confiance, peut-être pour construire une maison, peut-être pour faire une affaire. Parce qu'aujourd'hui, les gens se méfient, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils ont vécu des expériences. Nous sommes en train de monter une structure et jusqu'à peut-être que l'année prochaine, à partir du mois de janvier, pour que ceux qui veulent faire quelque chose se confient à notre structure pour qu'on puisse vraiment les aider. Parce qu'il faut que l'Afrique se développe. Amen. Je suis trop content que je vois la vie des Divo et Abitum. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis trop content. Amen. Poussière là, ça nous a emmerdé jusqu'à fatigué. Oh, poussière là, la ménagie des dents. Nous avons prié pour que la vie des Divo soit délivrée. Souvent, l'Église oublie l'aspect développement. Nous attaquons les diables. Tu n'es pas marié, il faut que tu sois marié. Or, il y a une réalité. Nous vivons sur cette terre. Amen. Or, nous avons le pouvoir de la terre. Nous avons la possibilité de décanter certaines choses. Après Grémia, le Seigneur, j'ai même prophétisé, dit, maintenant, et ça a commencé par Grémia, parce qu'à partir du carrefour, c'est Grémia. Donc, le bitume a commencé par Grémia, pour prendre toute la ville des Divo. Nous remercions le Seigneur pour tout ça. Il faut que la Bible, là où il y a la présence de Dieu, il faut que ça se développe. Je sais combien de fois nous avons lutté avec un esprit dans ce bâton ici. Je sais combien de fois nous avons consacré en 2010. Avant que je m'installe ici, j'avais commencé déjà une œuvre au niveau de Dibo. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, Satan est obligé de lâcher la Bible pour le pays. Amen. Vous savez que la Bible dit que si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie et prie, je les enseignerai. Dieu compte sur l'église. Amen. Amen. Dieu compte sur l'église. Les païens, la Dieu ne les écoute pas. C'est nous qui avons la clé. Ce nom le taisons. Les païens prenant les dessus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Au certain moment, il a commencé à fermer la bouche de tous les mystiques. Il parlait trop. J'ai aveuglé un pasteur. J'ai fait une interview avec un journal qui soit même lundi, où j'ai dit à 6:45 monté. Vous avez dit pourquoi il parle trop de lui? Je veux une confrontation avec lui. Je lui ai montré qui est Jésus. Je lui ai dit dans l'interview, je m'en fiche, je suis allé chercher un petit, ça ne m'intéresse pas, tu es un petit cher. Ça ne m'intéresse pas si tu es mystique. Va faire ton connerie. Mais le fait que tu as dit que l'église n'a pas un pouvoir, que toi tu détruis les pasteurs, il faut qu'il te parle dans la presse. Rectifie ça. Sinon je vais t'emmerder. Je vais t'emmerder jusqu'à ce que tu reconnaisses que Jésus est Seigneur. Il y a pasteur et puis un pasteur. Jésus, ce n'est pas ton camarade. Je lui ai dit, Jésus, ce n'est pas ton camarade. Tu peux insulter tout le monde. C'est comme David, quand il a vu Goliath en train d'insulter l'Éternel, il a affronté Goliath. Amen. Donc, Aziz, ça fait 2 ans que je te parle et tu restes dans ton couloir. J'envoie les journalistes vers toi. J'envoie même la télévision ivoirienne. Ça fait beaucoup que Dieu vous parlait et puis il n'y a rien. Mais le jour, je t'ai même dit, j'ai donné 7 minutes avec toi devant la presse. La télévision ivoirienne. 5 minutes. Tu envoies tes bêtises, moi j'envoie la Bible. Si tu n'es pas tombé, je suis pas prophète de Dieu. Bien-aimé, on ne va pas jouer notre Jésus. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est humilié. Quand j'ai étudié la christologie, la vie de Jésus, pendant une année, je pleurais. Frère, ce qu'on nous montre là, c'est des mises en scène. On a vu Jésus habillé, il était nu à la croix. Nul, excusez-moi, je le respecte. À poil, à la croix. Pourquoi? Pour nous. Puis quelqu'un est venu comme ça, Jésus, toi, petit présenté. Tu as venu dire que Jésus a rien dans Jésus. Si tu ne rectifies pas ça, j'ai donné l'interview dans TV Mag, qui sort le lundi. J'ai été poursuivi. J'ai dit aux gens de la télévision, vous avez eu des confrontations avec beaucoup de gays. Lui, son ministère, ça allait planter choux, carottes. Qu'est-ce qu'il fait?
Vous avez planté carottes, choux, qu'on appelle salade. Je ne suis pas dans ça. Hein. Moi, je suis dans la démonstration de la puissance de Dieu. J'ai vu tous les réalisateurs de la télé. On t'appelle, tu ne réponds pas. Vous avez bouche. Jésus, c'est pas camarade. Dans cette nation, vous pouvez faire les fétiches. Chacun fait son travail. Mais n'insulte pas Jésus. Je l'ai dit, depuis mon intervention, je l'ai dit. J'ai dit, vous pouvez parler, mais n'insultez pas Jésus. Quand vous allez insulter Jésus, moi j'ai parlé. Quand il m'a à la télévision, il y a un pasteur, un gagné. On l'appelle après qu'il parle, il dit, il est le prophète de tous les prophètes de la Côte. Mais il sort. Il est le prophète des prophètes du Ghana. Qui t'a consacré comme prophète des prophètes? Nous, on est dans nos points, on n'a jamais dit on est prophète des prophètes de Côte d'Ivoire. Si tu viens là, et tu veux payer à la RDI ton passage, il faut rester sage. Parce que la Côte d'Ivoire est prophète. Ne venez pas jouer la Côte d'Ivoire. Moi, il y a ma nation. Je la respecte. Donc, il faut, je respecte le Ghana. Je n'irai pas dire au Ghana que je suis le prophète des prophètes de tout Ghana. Si tu viens en Côte d'Ivoire, il y a des prophètes. Stop. Ne jouez pas, non. On a trop vécu beaucoup de choses. À cause de cette histoire de crise, Malachie, les gens nous ont traité de faux prophètes ici. C'est à cause de notre ministère aujourd'hui, les gens commencent à nous écouter. Donc, il ne faut pas venir tes conneries là. Tu vas venir rencontrer ça devant la chaîne du Warren. Je l'ai dit ça la dernière fois, dans le couloir de la télé. Il faut aller tout seul. Fais ton passage et puis va escroquer les gens. Amen. Je pense. Chacun a peut-être une expérience avec Christ. Moi, je sais. Je ne suis pas né chrétien. Non! Je suis devenu chrétien. Mes parents sont musulmans. Je sais ce que Jésus a fait pour moi. Je ne croyais même pas à l'existence de Jésus-Christ. Je ne croyais même pas ça. J'appartiens déjà à une religion. Jusqu'à ce que Jésus-Christ se révèle à moi pour que je vois la puissance de Dieu. Donc, Jésus, ce n'est pas de la musulmane. Pourquoi vous allez venir jouer avec Jésus? Depuis qu'on a commencé à passer à la télé, personne ne parle. Je leur ai dit, le jour où vous voyez quelqu'un, il est mystique, il vient sur la télé, dans la, ici, et puis vous dit, lui, il peut faire tomber un pasteur. Évidemment. Vous avez vu qu'aujourd'hui, les gens peuvent passer mon émission depuis hier. Je suis venu comme consultant de la télévision ivoirienne. Voilà, je suis devenu consultant. Je leur ai dit, le jour, ils n'ont pas parlé de fétis, venez, on vous donne mariage. Maintenant, ils donnent tout. Ils donnent mariage, ils délivrent les gens, ils donnent l'argent, pourtant ils sont sales. Il donne tout. Il fait tout. Il donne tout, genre mariage, tout, voyage, anti-accident, anti-tweet. Il faut parler. Mais le jour où tu as dit, rentrer dans cette histoire de Jésus, puis commencer à insulter Jésus, je vais te montrer qui est Jésus. Amen. Mon Dieu, on ne va pas l'insulter. C'est ce que David a fait. Il a regardé Goliath. Il dit non, tu as trop osé. Tu es venu faire la guerre, mais ce que tu es en train de dire, tu as trop osé insulter l'Éternel, s'il te plaît. David a mis Goliath au bas. Malgré l'âge qu'il avait, il a mis, il faut qu'on respecte Dieu. Et dans cette nation, il faut qu'on respecte Jésus. Jésus, c'est mon Dieu. Je n'ai pas d'autre Dieu que lui. C'est lui qui est mon Dieu. D'autres m'ont dit, ah, tu sais, je ne suis pas chrétien, on fait comment? Je dis, moi, je m'en fiche. Je ne te parle pas d'une religion. Je te parle de Jésus qui est mon Dieu. Tu veux, tiens. Je ne vais pas le mettre derrière pour dire, voyez si j'ai. Non, c'est lui qu'on met devant. C'est comme ça. Chacun son Dieu. Ok. Amen. Qui aime Jésus? La polonaise, ça va? J'aime trop Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est trop bon. Il est tellement merveilleux. Amen. Amen. Dieu mérite l'honneur. Il mérite beaucoup de respect. Amen. Ne l'insultez pas. Respectons notre Dieu. C'est lui l'Éternel. Notre Dieu, c'est Jésus. Soyez bénis. Amen. 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 Où est le guérir? Où est le sorcier guérir? Il est où? Thank you.
Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que vous ne pouvez pas continuer? Continue la journée. Tu reconnais ça? Parce qu'elle est elle était pas fort. C'est pas une bâille fort. Oui, je le reconnais. Okay. Est-ce que c'est bon, sorcellerie? On ne peut pas. Pas bon. On ne peut pas. Les réveils d'aujourd'hui. Oui, je le regarde. Okay, je le regrette parce que je ne savais pas qu'un jour cette réalité allait tomber sur moi. Aïe, c'est parce qu'on a attrapé que tu regrettes, toi. Quand il y a Dieu, tu as dit que tu as tué combien de temps tu réfléchis? Quel grand en soigne? Quand je réfléchis, j'ai tué 6 personnes. Non, une centaine de personnes. Sans yayam. Madame, madame, vous voulez dénouer? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Ok. Quand toi tu regardes ces 6 personnes à tuer? Quel bien sans yam? C'est 6. Sans yam. Tu es né à sorcellerie? Le roulon n'est pas ici. Le roulon n'est pas. Pourquoi ils disent la mémoire? Écoutez, j'explique plus ce que nous disons. Quand tu inities à la sorcellerie, ça part d'abord la sorcellerie inconsciente. Tu es inconscient, ok. Maintenant, ça devient la sorcellerie consciente. Lorsqu'on t'initie, c'est-à-dire on te met sur un trône, un siège, on te donne de sang humain, on te donne la chair humaine, tu manges, tu bois. Après, on dit désormais, tu es sorcier. Tu vois les membres de la confrérie. Et quand on te demande d'aller tuer une personne chère, dès que tu reviens, maintenant tu as droit à la parole dans la confrérie. Tu peux maintenant parler, agir dans la confrérie. Donc quand tu as une personne, le dessus est là, on dit, ah, il a tué Yahoo. Ah, il a tué Zadi. C'est ça. Donc, elle peut connaître le nom des gens qu'elle a tués. C'est pas un carnage pour dire, bouh, et tuer tout le monde. Amen. 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 Pas comme ceux qui ont sorcellerie des chats qui peut provoquer un accident, provoquer des choses. Madame, ça va? En tout cas, tu as un grand pouvoir. Oh, va y être. Hein? Oui, il y a un grand pouvoir. Ah! Le grand ton pouvoir. Oh, va y être comme ça. Hein? Donc tu peux me manger? Papa. Ah, tu dis tu manges? Je ne peux pas. Quand même, tu sais, je suis bien empoisonné. Tu peux me manger? Tu peux manger qui? Moi, ça n'est pas pour moi. Vous pouvez vous manger. Maintenant, bien manger. Elle dit à qui manger, je peux plus. Mais avant, tu mangeais. Mais t'as des docteurs comme ça. Et avant, je bois, tu es plus. Avant, tu mangeais. T'as des cochons, ils sont plus. Hein? Oui, avant, je mangeais la chair humaine. Et d'où? Fait. Oui, c'est tout. Là, vous les sorciers là, vraiment. Donc, les poulets, les trucs qu'on mangeait là, ça vous dit rien. Poulet frites, ça vous dit rien. Là, t'as tué beaucoup. En soi, donc. Tu fais comment pour tuer? Essayez comme ça, moi. Allons vite, vite, parce que je vais recevoir. J'ai coupé. Quand je vais les tuer, je vais dans le vent.
Oui, explique. Mettez-vous comme ça. Pas zéro. Elle veut te regarder pour parler. Donc mets-toi là-bas. Ok. Oui, elle dit quoi? Elle dit quand je vais dans le vent, arrivé là-bas, je fais des incantations et je la prie. Il a traduit exactement ce qu'elle a dit. Je fais la traduction. Quand tu as dit exactement ce qu'elle a dit. Quand il dit dans le vent, ça dit en esprit. Je n'ai rien compris quand il dit dans le vent. Ça dit en esprit. Je vais en esprit. Je suis là, mon corps est là. Et mon esprit sera dans sa chambre. C'est ce que ça veut dire. Elle m'a bien saisi? C'est comme ça. Il a traduit, il a dit exactement ce qu'elle a dit en Agni. Selon la tradition, c'est-à-dire, et elle allait, elle part rentrer en esprit. C'est-à-dire le vent, c'est-à-dire l'esprit. Elle est là, son esprit se rend chez sa victime. C'est ça, non? Et tu comprends comme ça. Tu es là comme ça, non? Hein? Et puis tu sors, ton esprit là-bas. C'est ça. Puis ça fait quoi? Quoi tu dois essayer? Mieux pour son. Ok. Lorsque je vais en esprit arriver là-bas, je fais des incantations pour chercher à ta voix. Je fais une sorte de lutte avec toi pour pouvoir ta voix. Une fois que j'ai réussi à ta voix, je te prends et je retourne avec toi. Tu fais quelle lutte? J'arrive là-bas, je dis à l'âme, j'appelle l'âme et je lui dis que c'est à cause de toi que je suis là. Ah, vous avez compris? Peut-être que tu dors et il travaille la nuit. Donc, je dis que c'est à cause de toi que je suis là. Donc, une fois que je te dis cela, je sais. Voilà. Il fait maintenant des incantations. Si j'ai réussi à te dominer, je te récupère et je retourne avec toi. Et tu l'attaches. Aïtiki, quelqu'un est là où est Aïtiki? Elle dit non, je ne l'attache pas. Tu la mets comme ça? Non, elle ne sait pas quoi. Elle dit je ne l'attache pas, mais c'est bon. Lorsque mon esprit doit retourner, je te prends, nous retournons ensemble. Et tu le tues? Et oui. Quelque part, on va prendre nos écouilles. Elle dit, lorsque vous arrivez dans le dent, moi je ne le tue pas d'abord. Tu fais quoi d'abord? Mais elle sait. Comme n'est pas. C'est toi qui en train de faire ça. C'est que tu as fait, ça finira par le tuer après.